Bonjour, mes bien-aimés. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là au rendez-vous avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec notre Père céleste. Alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ. Et au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous disons merci. Merci, le beau berger qui nous a protégés toute la nuit et qui nous a réveillés ce matin. Père très simple, nous disons merci. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci à la nuit immolée pour la bonté que tu as renouvelée pour la vie de chacun de nous aujourd'hui. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta miséricorde que Dieu a toujours dans nos vies. Et cela au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette belle journée, Seigneur Jésus-Christ, le mardi le 5 octobre. Merci, Seigneur. Merci, le roi des rois. Merci, le beau berger. Que la louange, honneur, gloire, adoration te revienne. Et c'est là où nous puissions prier Jésus-Christ. Père, nous voici ce matin devant toi, Père très saint. Nous voici, Seigneur, tel que nous sommes ce matin, Père. Purifie-nous, reçois-nous favorablement au nom de Jésus-Christ. Père, écoute nos prières, nos supplications ce matin. Au nom de Jésus-Christ, quand ta parole déclare, avant de faire toutes choses, d'abord demander ta volonté. Père, c'est pourquoi nous sommes là ce matin, Seigneur Jésus-Christ, à pleurer ta miséricorde, ta volonté dans nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Te supplions, Père très saint, de marcher devant nous, à planer nos sentiers aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que tout le plan de l'ennemi, tout le péché de l'ennemi soit nul sans effet, au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous, Seigneur, avec tes ailes. Il protège nos enfants, protège mes bien-aimés, par toi, le soir, et cela, au nom de Jésus-Christ. Père, parle-nous, nous sommes là devant toi, devant des amis, mets ta parole dans nos bouches ce matin, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons t'écouter et que cette parole trouve une terre fertile dans nos cœurs pour apporter des fruits, que ces fruits aillent jusqu'à la maturité. Et cela au nom de Jésus-Christ, bénis chacun de nous, bénis mon frère et ma soeur, bénis nos enfants, bénis Seigneur Jésus-Christ, ton instrument que tu as choisi ce matin. Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Alléluia, mes bien-aimés, nous sommes là encore ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Sur le livre de Luc, Évangile selon Saint-Luc, Évangile selon Saint-Luc, chapitre 7. À partir du verset 11, 11e verset jusqu'au verset 17. Évangile selon Saint-Luc, chapitre 7, à partir du 11e verset jusqu'au 17. Il y a lu au nom de Jésus-Christ, la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelé Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait à terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Celui qui le portait s'arrêta et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Mais bien aimé, nous voyons ici, c'est Jésus-Christ qui passait, il était avec ses disciples,
Et comme d'habitude, les gens toujours le suivaient pour écouter la parole de Dieu et pour être guéri et pour être délivré de leurs problèmes. Maintenant, il est arrivé dans une ville appelée Naïn, à la porte, il a vu une foule qui passait et les gens pleuraient comme d'habitude quand on perd quelqu'un qui est cher. C'est la mort, on pleure, on dit pourquoi cela nous arrive. Et que celui qui était mort était un fils unique de sa mère. Et la maman était veuve. Et quand Jésus a eu compassion et il a touché, il a dit à la maman de ne pas pleurer, ne pleure pas. Et Jésus s'est approché pour toucher le cercueil. Et bien-aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ est dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne sais pas ce qui est mort dans nos vies, je ne sais pas ce qui est mort dans nos familles, je ne sais pas ce qui est mort, est-ce de l'emploi, qu'est-ce qui est mort dans la vie. Toi-même, tu connais, moi je connais ce qui est mort dans ma vie, ce que je veux que Jésus-Christ s'arrête. Pour toucher. Jésus a été ému de compassion de cette veuve. Il s'est arrêté, il a dit à la veuve de ne pleure pas. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous parle, toi et moi, de ne pleure pas, ne t'inquiète pas, ne murmure pas, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur. Cette situation-là, que tu vois que c'est fini. Cette maladie-là que le médecin dit qu'il n'y a rien qu'ils peuvent faire, ils doivent donner peut-être quelque chose pour vivre, ils ont donné quelques semaines, pour peut-être quelques mois pour vivre. Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui a le dernier mot, mon bien-aimé. Je ne sais pas combien de temps cet homme est mort. Je ne sais pas combien de temps. Combien de jours? Peut-être 2 ou 3 jours. Et le moment d'enterrement est arrivé. On l'a porté déjà pour aller enterrer. Tout espoir était perdu. Et quand il a raconté Jésus-Christ, l'histoire a changé, mes bien-aimés. Le cri de pleurs a changé en cri de joie. Ne perds pas espoir, mes bien-aimés. Quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, Jésus-Christ est capable de ressusciter tout ce qui est mort dans nos vies, dans le corps. C'est lui qui nous a créés. Si nous regardons la création de l'homme, à partir du livre de Genèse, comment Dieu a créé l'homme, il a pris de la poussière, il a formé de la poussière. Nous voyons quand on était encore avant, on jouait avec la terre aussi. Tu prends de la terre, tu mélanges avec de l'eau et tu formes un bébé. C'est comme ça que Dieu avait créé. Puis il a mis le souffle. Et c'est lui qui connaît comment il a mis le cœur, comment le cerveau marche, comment le poumon marche, comment le rein marche. Comment le foie marche, comment le pancréas, comment l'estomac, il a mis connecté à partir de la bouche, il a mis l'œsophage qui va jusqu'à l'estomac, les intestins, petit écran, intestin. C'est lui qui connaît comment toutes ces histoires marchent et combien de cellules qui sont dans nos corps et combien de artères, combien de veines dans nos corps, combien des os qui sont dans nos corps, comment les nerfs. Fonctionne et comment ça donne les informations à partir de la tête. Et si il y a quelque chose au pied, à l'orteil qui fait mal, et la tête elle va te signaler, ça va signaler à la tête. C'est Dieu qui connaît tout ça, mes bien-aimés. Et c'est lui qui nous a tissés. C'est lui qui a mis tous ces organes-là. Il est capable de nous ressusciter. Il est capable de changer, mes bien-aimés. Quel que soit le médecin, on dit, on ne connaît pas, peut-être qu'on a donné des jours de semaine. Mais Jésus-Christ a le dernier mot, mes bien-aimés. Cet homme était déjà dans le cercueil. On allait directement dans le cimetière pour aller enterrer. Mais à la rencontre de Jésus-Christ, l'histoire a changé.
Jésus-Christ a chéri de lamentation en joie, de pleurs en joie. Et bien aimé, Jésus-Christ veut changer ta situation. Si tu le permets, si tu ouvres ton cœur, si tu l'invites, il va changer ton cœur, il va changer ta situation. Cette maladie-là ne t'amènera pas à la mort. Cette situation-là, il n'y a pas de situation qui est permanente dans la vie de quelqu'un. Jésus-Christ est là pour guérir. Jésus-Christ est là pour te sauver. Il a une compassion. La compassion. Jésus-Christ a compassion de toi. Jésus-Christ a compassion de moi. Et ce matin, il nous dit, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Arrête de t'inquiéter. Arrête de murmurer. Faut faire seulement confiance à notre Dieu. Faire confiance à notre Dieu. Il est là pour nous sauver. Il est là pour te délivrer de tes ennemis. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Jésus a compassion de toi, Jésus a compassion de moi. Tout ce qui nous arrive, toutes ces souffrances, il ne nous a pas créé pour souffrir. Et c'est l'ennemi qui nous afflige avec des souffrances, avec des maladies. Pendant la nuit, il vient injecter des maladies. Pendant la nuit, ils font des incantations pour lancer des paroles de malédiction, pour mettre des obstacles, des barrières dans nos vies. Mais Jésus-Christ est là pour te sauver, pour nous délivrer, mes bien-aimés. C'est à nous de s'approcher de lui chercher. Il est près de ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec un cœur sincère. Cherche l'Éternel, invoque l'Éternel, et il est là pour te répondre. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. C'est quelqu'un qui est mort, peut-être après 2-3 jours, directement, il a commencé à parler. Dans les hôpitaux, si quelqu'un meurt et qui revient dans la vie, on va d'abord en mettre encore de l'oxygène, on va encore mettre encore de cervelle, on va mettre encore de perfusé ou transfusé. Et bien, de même, c'est le cas de Jésus que c'est différent. Directement, qu'il a touché dans ce cas, il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. Il s'est mis assis directement, commencé à parler, mes bien-aimés. Rien n'était possible à Jésus-Christ. Je me souviens quand je faisais encore le stage de sciences infirmières à l'hôpital, j'étais sur le service de réanimation, soins intensifs. Et il y avait un homme qui avait fait l'arrêt cardiaque. Et les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fait de CPR, des pressions cardiaques, ils ont fait des fibrillations, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Et le monsieur ne revenait pas. Alors, ils ont commencé à compter les minutes et regarder à quelle heure il faisait 13h, 13h combien, 13h05. Donc, il est décédé à 13h05. En tant que stagiaire, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il a dit, please, je peux essayer, puisqu'on nous a appris comment faire les pressions cardiaques, mais comment, je vais essayer, puisqu'ils ont dit que c'est fini. Bon, moi, je vais essayer. Ils m'ont permis de faire. Et j'ai commencé, un jusqu'à 30, je me suis reposé, un jusqu'à 15, le monsieur est revenu encore en vie. Et j'ai écouté les médecins qui criaient, Agnès, Agnès, arrête, arrête, arrête. Moi, j'ai eu peur. Arrête, arrête, c'est quoi? Oh, le monsieur est revenu. Le monsieur est revenu en vie. C'est lui qu'on avait déjà écrit dans le certificat, le décès qu'il est mort à 13h05. Maintenant, quelques minutes, Jésus-Christ est intervenu, il est revenu. Et quand il est revenu, on a mis encore des fils, on a mis encore de l'oxygène, on a renvoyé encore dans le soin intensif. Mais bien aimé, mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit au monsieur, lève-toi. Et il s'est mis assis, il a commencé directement à parler. Rien n'est possible à Jésus-Christ, rien n'est possible à Dieu. C'est mal la foi, pas avoir foi. Ne regarde pas, il n'écoute pas ce que le médecin te dit. Le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérisse. Dieu les a donné la sagesse et l'intelligence de soigner, d'utiliser cette technique, certains médicaments pour aider, pour guérir.
Mais c'est Dieu qui guérisse le bien-aimé. C'est Dieu qui guérisse. Si c'était, on dépendait seulement que de médecins, mais le riche ne peut pas mourir, puisqu'avec leur argent, il peut faire tout pour acheter quelques médicaments, faire tout pour ne pas mourir. Mais notre vie appartient à Jésus-Christ. Ta vie appartient à Jésus-Christ. Ton avenir appartient à Jésus-Christ. Ta destinée appartient à Jésus-Christ. Donc, il faut faire seulement confiance à Jésus-Christ. Il faut seulement lever le ciel à Jésus-Christ. Ne regarde pas à gauche, à droite. Amen. Jésus-Christ a eu compassion. Et Jésus-Christ a eu compassion de la femme. Et il a dit à la femme, ne pleure pas. Jésus-Christ a compassion de toi. Il a pitié de toi. Il te dit aujourd'hui, ne pleure pas. Et il va te toucher. Invoque-lui. Il est là pour te toucher. Et tu vas mettre sa parole dans ta bouche. Et tu vas parler. Tu vas te mettre debout. Tu vas marcher. Ta tête reviendra normale. La dépression cessera. Et tu vas encore travailler. Tu vas encore étudier. Puisqu'il est vivant. Le mort s'est assis. Il s'est mis à parler. Va mettre la parole dans ta bouche. Et tous glorifient Dieu. Et tu vas glorifier l'Éternel. Tu vas glorifier l'Éternel des armées. Puisqu'il ne donne jamais sa gloire à aucun. Alléluia. Il est notre Dieu. Et ils ont dit, oh, Dieu a visité son peuple. Oui, Dieu nous a visités. Dieu t'a visité. Aujourd'hui, si tu écoutes cette parole, arrête de murmurer, arrête de pleurer. Lève seulement tes yeux vers Jésus-Christ et mets ta confiance en lui. Il est là pour agir, il est là pour te délivrer, il est là pour te donner la solution, il est là pour te guérir. Alléluia. Que Dieu soit béni pour cette parole qu'il nous a donnée aujourd'hui. Il dit, je te l'ai dit, lève-toi, mes bien-aimés, lève-toi. Lève-toi. Ne pleure plus. Fais confiance à ton Dieu. Il est là pour te délivrer. Jésus a compassion de toi. C'est pas seulement de glorifier l'Éternel, de louer l'Éternel. Dieu est là, alléluia, pour guérir, pour délivrer, pour sauver. Amen. Alléluia. Nous allons prier, mes bien-aimés. Nous allons remercier notre Dieu pour cette parole. Nous allons dire merci à notre Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé aujourd'hui. Beaucoup sont allés au lit, je pense. Mais par la grâce de Dieu, Dieu t'a réveillé, Dieu m'a réveillé, nous a donné l'occasion de prier ce matin. C'est pourquoi nous allons le glorifier, nous allons élever son nom, son Saint-Nom au nom de Jésus-Christ, et prions. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci le roi des rois, merci le bon berger, merci l'agneau immolé, merci le prince de la paix. Merci Jésus-Christ pour ton amour infini envers nous. Merci pour ton amour inconditionnel envers nous, Seigneur. Car c'est toi qui as le dernier mot dans la vie de chacun de nous. Te disons merci. Merci pour ta miséricorde dure à toujours. Merci Saint d'Israël. Merci l'agneau de Dieu. Merci le Père très saint. Alléluia. Car tu connais la vie de mon frère, tu connais la vie de ma soeur, partout sur les quatre coins du monde, Seigneur. Car tu les as créés avec un bon plan, un plan de bonheur et non de malheur. Au nom de Jésus-Christ, tu les as créés pour être en bonne santé. Tu les as créés pour se multiplier, pour être stériles. Tu les as créés pour avoir de l'emploi et non d'être chômage. Tu les as créés pour avoir de la richesse, car c'est toi qui donnes le pouvoir d'acquérir de richesse. Tu les as créés, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, avec un plan, Seigneur Jésus-Christ, de bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi te disons merci. Merci les bons bergers. Merci puisque Seigneur, que toi qui as le dernier mot dans la vie de chacun de nous. Te disons merci puisque ce matin, Seigneur, tu as déjà plané tout ce que tes enfants vont manger, tout ce que comment ils vont sortir, comment ils vont rentrer. Tu as déjà enlevé, Seigneur, tous les obstacles, toutes les limitations devant nous aujourd'hui. Te disons merci. Et c'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Et bien-aimés, Jésus-Christ a eu compassion de la mère, de la veuve. Alléluia. Il a dit, ne pleure pas. Alors, nous allons présenter nos requêtes, nous allons présenter nos problèmes, nous allons présenter tout ce que tu veux que Jésus-Christ fasse dans ta vie. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et parle à ton Dieu. Il est là pour t'écouter, il est là pour te délivrer. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ,
par ton amour, par ta compassion, regarde tes enfants, Seigneur, dans les quatre coins du monde, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes de stérilité, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de mariage, de célibat, ceux qui ont des problèmes, Seigneur, des enfants, Père très saint, que ta main puissante les touche aujourd'hui, comme tu avais touché la secrète de cet homme, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, tes enfants, nous sommes encore en vie, ils sont encore en train de respirer, Père très saint, mais la situation, Seigneur, est desséchée. Alléluia. Seigneur, la situation dans nos corps qui sont morts aujourd'hui, Seigneur, nous les présentons. Que ta main puissante, Seigneur, touche. Que ta main puissante intervienne, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Que ta main puissante touche, Seigneur Jésus-Christ, la vie de mon frère, la vie de ma soeur, ceux qui sont atteints de maladies, ceux qui sont atteints de cancer, ceux qui sont atteints de paralysie, ceux qui sont atteints d'AVC, ceux qui sont atteints, Seigneur Jésus-Christ, d'hypertension, de diabète, de cancer, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, de maladies, de l'appareil urinaire, de maladies rénaux, de maladies hépatiques, Seigneur Jésus-Christ, que ta main puissante leur touche au nom puissant de Jésus-Christ. Même ceux qui respirent, Seigneur Jésus-Christ, tout l'oxygène au terrain de sa main de voix, tu es capable de restaurer le poumon, tu es capable, Seigneur, de restaurer les alvéoles pour qu'il y ait encore les échanges gazeux au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, Père, c'est le cerveau de tes enfants qui ne marche pas, Seigneur. C'est toi qui as mis le cerveau. Tu sais comment tu as divisé les hémisphères, comment tu as mis le nœud, comment tu as mis, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, toute le vin de les antennes qui fait nourrir le cerveau. Père, c'est intérieur, Seigneur. Restaure, Seigneur Jésus-Christ, le cerveau de tes enfants. Restaure la communication de tes enfants. Tu avais mis ta parole sur la bouche de cet enfant, Seigneur Jésus-Christ, directement quand il s'est mis assis, a commencé à parler et qu'il a présenté à sa maman. Aujourd'hui, Seigneur, mets ta parole dans la bouche de tes enfants qui n'arrivent pas à parler, Seigneur, à cause de l'AVC, à cause de la maladie, Seigneur Jésus-Christ, c'est mon tout, Seigneur. Aujourd'hui, par ta main puissante, Seigneur, alléluia, par ta compassion, par ton amour infini, touche, Seigneur, mets ta parole, Seigneur, dans la bouche de tes enfants. Ouvre, Seigneur Jésus-Christ, et permets que tes enfants parlent. Parle, Seigneur Jésus-Christ, et résonne encore, Seigneur Jésus-Christ, comme avant, Seigneur Jésus-Christ, et ton nom sera glorifié, ton nom sera exalté, quand tu ne donnes jamais ta gloire au cœur, et la gloire, l'honneur te reviendra au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde cette femme qui pleure, Seigneur Jésus-Christ, à cause de la stérilité, puisqu'on appelle une femme stérile. Oh, dans ta parole, Seigneur, déclare qu'il n'y aura pas de femme stérile, ni de femme qui est à votre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de multiplication, tu es le Dieu de fécondité. Père Saint, nous invoquons ton Saint-Nom, Seigneur. Touche cette maman, touche cette fille, Seigneur Jésus-Christ, touche cet homme, Père, très saint, alléluia, que le monde a donné le nom de stérile, Seigneur Jésus-Christ, que tu les restaures au nom puissant de Jésus-Christ, comme ta parole dit, tu les feras des mères joyeuses tout autour de leurs enfants, Seigneur, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, Seigneur Jésus-Christ, le travail de business de tes enfants, qui est en train, Seigneur Jésus-Christ, de périr au éternel de sa main de gloire, touche au éternel de sa main de gloire, la main de tes enfants, enfants, Seigneur, le business, le commerce, les activités, les affaires, le travail de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, afin de leur donner encore de l'espoir, de leur donner encore la vie, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde les foyers qui sont avant de divorce, avant de séparation, Père très saint. Oh, cette femme est une femme veuve, Seigneur. Oh, et tu regardes le veuve, le solfénaire. Père, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut intervenir. Il n'y a que toi qui peut pouvoir aller personne. Car ton nom, c'est Jéhovah Juré, le Dieu qui pourvoit, Père très saint, pouvoir aux besoins de tes enfants partout dans les quatre coins du monde. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Touche ce cercueil, mon Dieu, mon roi. Touche le corps de tes enfants. Touche le terrain des armées. Dis seulement un mot, le terrain des armées. Et la situation, Seigneur Jésus-Christ, tu vas trouver la solution dans leur situation. Car ton nom est solution. Ton nom est la guérison. Ton nom la délivrance, ton nom est la richesse, ton nom, oh Jésus-Christ, est tout pour nous. Toi qui es mort pauvre pour que nous soyons riches, oh éternel des armées de gloire, nous te bénissons puisque tu es le roi des rois, nous te bénissons puisque tu es le tout puissant, nous te bénissons le chef de l'armée de l'éternel, nous te bénissons l'agneau immolé, nous te bénissons puisque tu es bon, alléluia, par ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, tu interviens dans la vie de chacun de nous, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prier. Amen. Mais bien-aimés, nous allons prier encore.
Pendant la nuit, l'ennemi est venu semer des maladies, l'ennemi a plané des accidents, l'ennemi a plané beaucoup d'histoires. Mais Dieu nous a donné la force et l'autorité de renverser toutes les plans de l'ennemi. Alors nous allons renverser tout ce que l'ennemi a plané, tout ce que l'ennemi a préparé pour cette journée, dans la vie, pour cette fin de l'année. Nous allons renverser, nous allons détruire au nom de Jésus-Christ. Prions. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens renverser, annuler toutes les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les plans d'accident, toutes les plans de guerre, la guerre partout. Alléluia, Père Saint, interviens et te rends des armées de gloire. Interviens l'agneau de Dieu. Interviens et te rends des armées. Là où ces gens-là qui préparent la guerre, quand tu m'as montré Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de enfants qui sont restés orphelins. Comment on était en train de tuer des papas, de tuer les mamans, ou des hommes et des femmes. Seigneur Jésus-Christ, que tu interviens, Père Saint, dans le pays où il y a la guerre. Dans le pays maintenant, même ceux qui préparent encore pour qu'il y ait la guerre, Seigneur Jésus-Christ, que tu interviens. Que leur plan ne passe pas au nom de Jésus-Christ, que tu anéantis leur pensée, Seigneur, que tu les confonds au nom puissant de Jésus-Christ. Anéantis, Seigneur Jésus-Christ, cet esprit de guerre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour la paix en Afrique, la paix en Asie, la paix en Europe, la paix en Amérique, la paix en Australie, Canada, ici en Angleterre, Seigneur, nous voulons la paix. Nous refusons la guerre, mon Dieu, mon roi. Nous refusons la guerre, Seigneur. Dès que j'ai vu la nous, Seigneur, Jésus, tu m'as montré, Seigneur, ce n'est pas bon. Père, regarde ces enfants qui étaient en train de prier, ces enfants qui sont restés orphelins de père et de mère à cause de la guerre, Seigneur. Comment les gens n'ont pas pitié, comment ils sont en train de tirer. Ils ont mis des pièges par-ci par-là, des bombes par-ci par-là pour tuer, Seigneur Jésus-Christ, que tu interviens et te rends de sa mère de gloire. Interviens, Seigneur, en néatif, Seigneur, les pensées de ces hommes. Le passé de ces femmes qui cherchent encore, Seigneur, la guerre, Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, Père. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ, qu'il y ait la paix. Qu'il y ait la paix en Afrique, qu'il y ait la paix en Amérique, qu'il y ait la paix en Europe, ici en Angleterre, au Canada, au Australie, Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait la paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand tu as le poids de la paix, alléluia, apporte la paix, Seigneur Jésus-Christ. Nous refusons, Seigneur, nous refusons, Seigneur, nous refusons la guerre. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les plans de l'ennemi, ceux qui ont plané les plans d'accident, au nom puissant de Jésus-Christ, que le feu consume, que le feu de Dieu descende et consume et brise leur miroir, brise, Seigneur, les pièges qu'ils ont piégés devant tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ceux qui ont mis, Seigneur, des fétiches dans le bureau, Seigneur, que le feu de Dieu consume, que le sang de Jésus-Christ neutralise ce fétiche au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ neutralise ces poisons au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ neutralise toutes les plaies, efface toutes les plaies de l'ennemi, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, soutiens tes enfants, soutiens-nous, Seigneur, protège, délivre, sauve, et c'est là au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Et bien aimé, quand Jésus-Christ a fait ressusciter cet homme, et là, tout le monde a commencé à glorifier l'Éternel. Alléluia. La parole de déclare, tout furent saisis de crainte et glorifiant Dieu, disant, un grand prophète apparaît parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Nous allons glorifier l'Éternel, quel que soit ce qui n'est pas de ta vie. Il faut glorifier l'Éternel, pour louer l'Éternel. Dieu est bon. Alléluia. Il descend au milieu des louanges pour guérir, pour délivrer, pour sauver, pour combattre. Alléluia. Nous allons dire merci à notre Jésus-Christ. Nous allons recommander cette journée de mardi, le 5 octobre, entre le mai de l'Éternel et le reste du mois d'octobre, entre le mai de l'Éternel. Que sa volonté soit faite dans nos vies, pas la volonté de méchant, pas la volonté de Satan, mais la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Prions. Père, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous te disons merci pour cette belle journée que nous commençons ensemble avec toi. Père, nous recommandons cette journée à tes sept mains, la journée de mardi, le 5 octobre, où il te rend des amis de toi. Que tu marches devant nous pour aplanir le chemin, Seigneur Jésus-Christ, ce matin. Que tu nous diriges, que tu nous guides au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu diriges les pas de tes enfants, Seigneur, aujourd'hui. Que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas à tes enfants d'être dans un mauvais endroit, à un mauvais temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, bénis la vie de chacun de nous, Père. Accomplis tes promesses dans la vie de chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es le Dieu miséricordieux, Dieu
compatissant. Dieu, là, la colère riche à beauté. Par ta miséricorde et par ta compassion, Seigneur, touche la vie de tes enfants aujourd'hui. Touche, Seigneur, interviens dans leur situation. Quel que soit, Seigneur Jésus-Christ, le degré de situation, quelle que soit la longueur, Seigneur, de situation, tu es capable, comme tu as fait sur cet homme, Seigneur Jésus-Christ. On ne connaît pas combien de temps il a été malade ou non, combien de temps il était mort, 2, 3 jours, Seigneur. Mais quand tu es apparu, Seigneur, il est revenu en vie, il a commencé à parler et tu l'as présenté à sa maman. Aujourd'hui, Père, que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans la vie de nos enfants, Seigneur Jésus-Christ. À toutes leurs situations, à tous leurs problèmes, Seigneur, que tu interviennes, que tu leur donnes la solution, que tu leur donnes la guérison, que tu leur délivres entre les mains de l'ennemi. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Béni Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'ils vont manger, tout ce qu'ils vont boire aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Le reste de ce mois d'octobre, Seigneur, à cette semaine, nous voulons voir ta main puissante agir dans nos vies, Seigneur. Tu es le Dieu qui accomplit tes promesses. Tu es fidèle, mon Dieu, mon roi. Par ta fidélité, accomplit tes promesses dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Touche, Seigneur, le pied de tes enfants pour qu'ils marchent. Touche, Seigneur, le main de tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Cette paralysie, cette maladie, cette dépression, Seigneur Jésus-Christ, que cela soit anéanti et cela au nom de Jésus-Christ. Je brise tous les miroirs, toutes les jumelles, les caméras, les remotes, les contrôles que l'ennemi est en train d'utiliser pour manipuler tes enfants, que tout soit brisé, écrasé à petits morceaux et cela au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus-Christ pour paralyser, pour neutraliser toutes les autels sataniques, toutes les autels de sang, autels de sacrifice au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la vie de mon frère. Glorifie ton nom dans la vie de ma soeur. Glorifie ton nom dans la vie de nos enfants. Ceux qui vont sortir ce matin, ceux qui vont conduire pour aller au travail. Seigneur, que tu sois devant, derrière, gauche et droite pour les protéger. Au nom de Jésus-Christ, que tu les couvres avec tes ailes. Au nom de Jésus-Christ, que le sang de Jésus-Christ couvre et protège même nos enfants qui vont sortir ce matin pour aller à l'école, Seigneur, que tu les accompagnes. Ils vont sortir ce matin bénis. Ils vont rentrer ce soir bénis au nom de Jésus-Christ. Bénis la vie de chacun de nous. Que la grâce, la beauté de l'Éternel, alléluia, la faveur de l'Éternel nous accompagne aujourd'hui. Et c'est là au nom puissant et puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, shalom, shalom. Je vous souhaite une belle journée à sa présence. Alléluia. Continuez toujours à prier. Continue de perdre pas courage, ne pleure pas. Forcément, mets ta confiance à Jésus-Christ. Alléluia. Il est là pour te délivrer, il est là pour te sauver. Amen. Shalom, shalom, shalom.